cette finale des châssis tubulaires avec les moteurs de moto. Et là aussi, ça va aller très 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 vite, hein, ceux qui sont à observer, obtenant en tout cas des victoires en manche. Alors ça a été très compliqué pour obtenir les points aujourd'hui. Ils étaient très nombreux, hein, plus de 25 pour aller seulement sur 9 places de finalistes. Et puis sans oublier nos finalistes hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Et Florent Mengi par exemple avec le 455, sans oublier Benoît Gasben, le 4 numéro 109, Anthony Gorin également présent, le 4 numéro 309, Monsieur Cardiette également présent, le 4 numéro 9. Je crois, ouais. Le 309 qui s'est arrêté sur le départ. Lionel Géliot qui est en seconde position aussi, mon pointage est également encore inexact, ainsi que mon regard, Florent Mengi en troisième position avec le 4 numéro 55. Qui était seul. Barret, on est un petit peu loin pour Bruno Gasouet alors qu'on est en première ligne. On s'est laissé un petit peu enfermé, on a raté le départ de la part de Bruno, le 4 numéro 109 qui essaie de revenir. Et maintenant, voilà dans la partie avant le virage parabolique à gauche. Avec le 4 numéro 997, lui aussi s'est fait un petit peu enfermé. Il était sur la seconde ligne de cette grille de départ. Il est monté à l'avant-dernière position. Le 4 297 a pas passé dans ce départ. Le 4 numéro 18 et déjà les distances sont grandes, très grandes entre le pilote de tête. Et ça roule, ça roule pour Anthony Gorin. Qui vient de passer M. Cardiette. Le Christophe Cardiette également lui ont fermé. On va voir tout de suite la santé du pilote là-bas parce que c'est non pas le pilote de tête, mais un pilote attardé. On va voir tout de suite si tout le monde est bon. Le dernier tour arrière pour rentrer pour assurer la victoire pour Anthony Gorin. Attention, le Géliot va-t-il être sous la pression de Philippe Tesson? Absolument pour la deuxième et la troisième place. Et Philippe Tesson va essayer maintenant. Allez pour 7 secondes passe à l'extérieur pour le 4-83, tout à l'extérieur pour le 4-83 pour faire la dernière droite sur les lèvres généraux, mais non, 7 secondes passe. Pour la quatrième, Monsieur Cardiette ensuite.
ça c'est extraordinaire. Ça va vite, ça va très très vite. Bon, en tout cas, et ça a été très très vite dans cette finale. Descartes, puis le moteur de moto. Là, 10e place, elle est obtenue par le carton numéro 18 de Samuel Potter. Voilà, vous restez bien devant vos engins, s'il vous plaît. Samuel Potter avec le carton numéro 18, c'est la 10e place. La 9e place, alors qu'il était sur la seconde ligne, c'est Cyril Kerchon. Avec le carton numéro 297, il est donc 9e. Monsieur Cardiac, lui aussi on l'attendait à meilleure place, hein, Christophe, alors qu'il était sur la seconde ligne. Le carton numéro 9 termine à la 8e place. Brice Maré, quant à lui, prend la 7e place avec le carton numéro 60. C'était compliqué aujourd'hui. Ils ont tous des victoires en manche maintenant. C'est le cas par exemple du carton numéro 109. Le bonhomme Renaud Gazouet qui a obtenu une victoire en manche tout à l'heure. C'était en matinée en tout cas. Ensuite la seconde place et ensuite la troisième. Renaud Gazouet prenant donc la 6e place ici à Nessin. Puis le carton numéro 26. Quand je dis un cardiac, on chasse un autre, eh bien on est peut-être venu en tout cas pour celui-ci, pour prendre la 5e place. Oui, on rentre dans les 5 premiers pour la carte numéro 26 de Mathieu, alors qu'on avait été un petit peu décevant en manche. Eh bien on aurait bien réussi la finale, comme quoi il faut toujours bien réussir sa finale. Florent Mégui, quant à lui, prend la 4e place avec le carte numéro 55. Pour Florian, eh bien, on avait pris tout de même 2e et la victoire en manche. Eh bien, ouais, c'est des points marqués, mais attention, attention devant, le tiercé de tête est mené par Philippe Tesson. Le tiercé de tête a été mené par Philippe Tesson, portéliste également. Au portéliste dans le départ, Philippe, au point de le 4e virage, dans le virage parabolique et le carte numéro 83. Lionel Géléoc, on l'attendait bien évidemment, soit premier, soit deuxième, il est là la réponse sur cette seconde place, ici le carte numéro 119. Et puis victoire d'Anthony Gorin, mais méritée victoire parce qu'un super départ, et tout le monde a compris en tout cas que c'était impossible de les retrouver Anthony, sauf à l'arrivée, la preuve en est, nous aussi on le retrouve, la victoire pour Anthony Gorin et le carte numéro 309. Une dernière fois, messieurs, face au public, s'il vous plaît, vous levez vos trophées, vous levez vos trophées.